Donc si vous souhaitez ajouter plusieurs photos en une seule fois dans un diaporama, vous pouvez utiliser la fonction Album photo. Pour cela, vous allez dans l'onglet Insertion et vous cliquez sur Album photo. En cliquant sur Fichier disque, vous allez pouvoir choisir les photos que vous souhaitez ajouter dans votre album. Lorsque vous les avez sélectionnées, vous cliquez sur Insérer. Ici, vous pouvez voir les photos qui ont été ajoutées à votre album. Vous pouvez réorganiser l'ordre d'apparition des photos en cliquant sur les flèches. Si besoin, vous pouvez effectuer une rotation sur vos images, modifier le contraste et la luminosité. Ensuite, vous pouvez aussi modifier la présentation, donc soit en laissant ajuster la diapositive, c'est-à-dire que l'image va prendre toute la diapositive. Vous pouvez aussi choisir une image, c'est-à-dire que vous aurez une bordure blanche autour de votre photo, deux images, quatre images, et vous pouvez aussi choisir avec un titre, c'est-à-dire que vous allez avoir une zone de texte qui va apparaître au-dessus de vos photos. Ensuite, vous pouvez choisir un cadre pour vos photos. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi appliquer un thème à votre album. Et vous pouvez insérer une légende en dessous de vos images, c'est-à-dire que vous allez retrouver le nom de vos photos en dessous de vos images. Quand vous avez fini, vous cliquez sur « Créer ». Et donc voici le résultat que vous obtenez.